confortablement. J'espère que vous avez pris de quoi boire, que vous avez votre manuel du participant et que vous êtes prêt à élever votre niveau de leadership parce que c'est de ça qu'il s'agit. À travers ces panélistes exceptionnels, à travers leur parcours inspirant, à travers tout ce qu'ils vont partager, à travers leur leadership qu'ils vont déployer et qu'ils vont vous partager, vous allez sans contexte élever votre niveau de leadership. Oui, Saïda est là maintenant. Je vois Saïda. Est-ce que j'entends Saïda? Oui, elle s'est connectée à Hello? l'audio. Oui, allô Saïda, bonjour. Il est toi déjà, au nom de Ça Capcom. va? Oui, ça va. Excellent. En tout cas, sois la bienvenue et merci d'avoir accepté de participer au Leadership Days. Donc, merci d'avoir accepté de partager ton expérience, de partager ton parcours, de partager ton leadership avec l'audience du groupe Connexion Chemin de Croissance. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Mais je suis Saïda Kena, j'ai 43 ans, je suis maman, mariée, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis en charge de la communication digitale et des relations publiques du CHU de Cocody depuis 5 ans maintenant. J'ai une agence de communication. J'ai aussi la chance de donner des cours à l'École nationale d'administration aux futurs personnels d'hôpitaux, c'est-à-dire tous ceux qui seront au top management ou ceux qui sont à l'opérationnel. On essaie de leur parler de la communication digitale dans la gestion des structures hospitalières en Côte d'Ivoire parce que c'est aujourd'hui, on peut pas manager, on peut pas gérer sans tenir compte de la communication digitale. Et comme ils n'avaient pas vraiment cet outil, on les formait et ils découvraient au gré des scandales sur les réseaux sociaux que c'était utile de communiquer pour un hôpital, pour une structure hospitalière publique, de communiquer quand même avec ses usagers. Donc voilà en quelques mots ce que je peux dire. Maintenant, je ne sais pas s'il y a autre chose que vous Mais voulez savoir. merci pour cette présentation succincte, mais assez étoffée. Et on pourra en découvrir un peu plus lors de notre échange. Alors, Saïda, est-ce que tu peux dire pour toi, c'est quoi? La motivation, c'est quoi? Le leadership, c'est quoi le mindset? Je ne vais pas donner La la définition définition du dictionnaire dictionnaire. parce que Google est tous notre ami. Je ne vais pas donner la définition du dictionnaire. Je vais plutôt dire avec mes propres mots comment je conçois ces différents concepts-là. Pour moi, la motivation, c'est vraiment la raison pour laquelle on se lève tous les matins. C'est ce qui peut nous donner envie de nous lever le matin parce qu'il y a des jours, on n'a pas envie de lever, on n'a pas envie de sortir du lit. Donc, la motivation, c'est cette idée-là, c'est cette pensée. C'est cette chose qui va te faire comprendre que non, même si tu n'as pas envie, lève-toi parce que c'est important de te lever pour telle raison. Donc, c'est vraiment pour moi le moteur. C'est vraiment, c'est l'essence, c'est le moteur. En tout cas, c'est ce qui va faire bouger la voiture. C'est ce qui va nous faire bouger. C'est ce qui va nous donner des raisons d'y aller, d'y croire, de se lever. Comme quand j'étais peut-être étudiante en France, peut-être pas aussi froid que chez vous au Canada. Mais quand tu as moins 12 degrés comme ça, et puis tu n'as pas envie de quitter le lit, et tu sais que tu as fait 6 000 km, et que tu n'es pas boursière, et que tes parents se saignent pour t'offrir quand même une éducation de qualité, je pense que tu vas te lever, tu seras motivé d'une manière comme d'une autre à te lever pour aller affronter le froid et aller au cours. Donc c'est vraiment la raison qui nous met debout. Et je vais l'illustrer avec un exemple que j'aime bien, que j'ai lu. Il y a un monsieur qui postulait pour un poste. Et on lui a demandé une lettre de motivation. Et il a donné le curriculum vitae, le CV. Et comme lettre de motivation, il a fait une photo de son réfrigérateur vide. Et il a joint à son CV pour dire, si ça, c'est pas une motivation, je veux vraiment ce poste. Et il a été retenu parce que c'est vrai que quand tu as faim, tu te donnes les raisons d'y aller. Tu n'as pas le choix, en fait.
tu n'as pas d'autre choix que d'y aller. Donc, vraiment, la motivation, c'est la sève, c'est le moteur, c'est l'essence, c'est ce qui nous met en mouvement. C'est comme ça que je définirais la motivation. Le leadership, je pense que le leadership, c'est une force transformatrice. C'est-à-dire, on peut être bon et on comprend qu'on n'est pas bon seul. Et que si je suis bon, il faut que j'arrive à déteindre tout le groupe de sorte que nous soyons tous bons. Donc, le leader, c'est celui qui tire les autres vers le haut. Il ne se contente pas de régner. Il ne se contente pas de faire le patron. Il ne se contente pas de faire le boss. Il s'arrange à ce que chacun lui rende le meilleur de lui-même. Donc, c'est quelqu'un qui procède, par exemple, en donnant l'exemple, il ne dira pas juste « faites ça », il fera. Vous verrez comment on fait et puis vous allez vous y mettre. Donc, le leader, ce n'est pas le patron de l'entreprise. Le DG peut ne même pas être un leader. Et puis, ça peut être même le technicien de surface qui galvanise les gens. Parce que c'est pas le leader. Le leader ne s'inscrit pas forcément dans un organigramme. C'est une force qu'on a de pouvoir mettre en mouvement un groupe, de pouvoir créer de la valeur, de pouvoir rendre les choses meilleures. Donc, on peut être leader, même un groupe d'enfants qui jouent, quand vous les observez jouer, il y a un leader qui se dégage du groupe. Il y aura tendance à dire à ses amis, allons comme ça, ou bien faisons comme ça, ou bien ne faisons pas comme ci. Automatiquement, il prend le dessus sur ses amis et il est écouté et on le suit. Et puis, on voit le résultat. Donc, vraiment, pour moi, le leader, c'est celui qui montre le chemin, c'est celui qui ouvre des voies, c'est celui qui rend les autres meilleurs et il devient meilleur en rendant les autres meilleurs. Il n'écrase pas. Et ce n'est pas dans l'organigramme. Ce n'est pas quelque chose qui est dans l'organigramme. C'est une qualité intrinsèque qu'on manifeste. C'est ça, voilà. Tout à fait. Et le mindset, c'est un peu, comment on va dire, c'est-à-dire, si on veut faire votre carte d'identité, c'est vraiment ce qui va se dégager en gros. Si on dit le nom de X ou Y, comment on pense que la personne réfléchit? Comment on pense que la personne se présente aux autres? C'est vraiment une façon de fonctionner. On peut regarder une fleur tous les deux, mais on ne va pas l'admirer avec le même regard. Selon la manière dont nous, on a réfléchi. Le poète ne va pas regarder la fleur comme moi, comme un scientifique la regarde. Un botaniste, il ne va pas regarder la fleur comme un tradit praticien, par exemple, la regarde. Donc, c'est vraiment un mode de fonctionnement. C'est imprégné de notre culture, c'est imprégné de notre éducation, c'est imprégné de valeurs, c'est imprégné de l'environnement dans lequel on évolue. Donc, c'est vraiment comme une carte mémoire, entre guillemets, de notre façon de fonctionner, de penser. Moi, c'est comme ça que je définirais le mindset. Merci, Saïda, pour ces définitions, tes définitions de ces trois concepts. Et j'adore, comme tu dis, que la motivation, c'est ce carburant-là qui va te faire avancer. Le leader, c'est celui qui tire les autres vers le haut, qui fait pas juste sa promotion à lui. Et le mindset, c'est ce qui vous définit, c'est une qualité intrinsèque. Alors, parlons maintenant de ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire de manière, en grandes étapes, quel a été ton parcours? Un parcours à la base classique. Et primaire, collège, lycée, vraiment sans faute, on va dire, j'en suis un peu fière. L'université, pareil, je n'ai jamais repris de classe. Plutôt bon élève et tout. Et puis après, je m'oriente en psychologie. Je fais de la psycho. Je commence à Abidjan. Et puis, bon, suite au mouvement universitaire, dans les crises universitaires, je suis obligée de partir en France pour continuer mes études. Donc, j'ai une maîtrise en psychologie. Et puis, après, j'ai envie de rentrer. Je rentre. Et puis, je travaille un peu dans un univers qui n'a rien à voir avec la psychologie. C'était chez Xerox, si je ne fais pas de publicité. Pas de problème. Et donc, après, j'ai envie encore d'apprendre. J'ai été toujours attirée par la communication. Donc, je passe le concours d'entrée à l'ISTC, qui est un institut très réputé pour la communication et la télécommunication. Et puis, Dieu voulant, je réussis à l'examen. Et donc, j'intègre l'ISTC, où je fais un diplôme d'ingénieur en communication, option publicité marketing. Et puis après, je rentre dans le milieu du café cacao. Après, je rentre dans un milieu sportif avec Assol Beni. Après, l'industrie pharmaceutique. Et puis, après, je me retrouve au CHU.
Mais en fait, dans tout ce parcours, il y a un fil conducteur. Parce que de chaque expérience, c'est vrai que mon parcours est assez hétéroclite. C'est des univers vraiment différents. Mais dans chaque domaine où j'ai été, c'est quelque chose qui m'a apporté même pour ce que je fais aujourd'hui. Parce que chaque univers a sa rigueur, chaque univers a ses règles. Par exemple, dans le milieu sportif, c'est très masculin. Donc, quand on est une femme, il faut vraiment qu'on fasse deux fois plus. Il faut montrer qu'on en a dans la tête et que ce n'est pas juste un corps et que ça tourne dans la tête parce que c'est un milieu très masculin. Et puis, dans l'univers pharmaceutique, l'industrie pharmaceutique, c'est très carré. C'est vraiment des choses d'un Réglementé. certain niveau. C'est l'anglais dans les mails, les réunions en anglais. Donc, on apprend à chaque fois. Dans le café cacao, on faisait de la tierce détention et il fallait faire attention quand tu fais des contrats et tout. 1 € en plus ou en moins, c'est des milliards ou des millions que le client perd. Donc, ça nous pousse à être très pointilleux dans la façon de travailler. Donc, l'un mis dans l'autre, c'est vrai que c'est des parcours assez hétéroclites, mais j'ai appris, à chaque fois, j'ai appris. Et je pense que c'est très enrichissant pour ce que je fais aujourd'hui, en fait. Alors, C'est donc, très enrichissant. Saïda a commencé dans son parcours. Elle a fait des études en psychologie. Elle s'est intéressée à la communication. Moi, maintenant, je veux savoir comment est-ce que tu passes de communicatrice à motivatrice? Parce que Saïda est très active sur les réseaux sociaux. Elle est motivatrice. Moi, je la définis comme une influenceuse parce qu'elle influence plus de. Alors, Saïda, comment est-ce que tu passes de la communication à la motivation? Je pense que, bon, comme tu le sais, le mot motivatrice, influenceuse, c'est des mots qui sont un peu costauds pour moi. Comme je l'expliquais, je disais que c'est des mots assez fourre-tout, mais bon. J'accepte parce que j'estime que c'est aux gens de dire que tu les influences. C'est pas à moi de dire que je suis une influenceuse. C'est ceux qui m'écoutent, ceux qui me lisent, qui peuvent dire, toi, tu m'influences. Donc, je l'accepte volontiers. Et je pense que de la communication à la motivation, il n'y a qu'un pas, en fait. Est-ce que même il y a un pas? Est-ce que même il y a des cloisons entre? Je ne pense pas. Parce qu'il faut pouvoir communiquer la motivation qu'on a. On a eu des profs à l'école qui connaissaient parfaitement leur matière, mais qui avaient du mal à la transmettre. Et c'est un problème. Tu connais, tu sais comment faire, tu veux même peut-être motiver tes élèves, mais tu as du mal à transmettre ton savoir. Et là, il y a un problème. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit des notions qu'on puisse séparer. Parce que si tu es un motivateur, pour être un bon motivateur, il faut être un bon communicateur à la base. Et comme j'ai pour habitude de dire, quelqu'un qui, je pense que la psychologie, et même j'ajouterai la communication, ce sont des disciplines que tout le monde gagnerait à apprendre. Parce que même pour être un bon économiste, je pense qu'il faut être un peu psychologue, il faut être un bon communicateur. Bon, maintenant, à moins que la fonction qu'on occupe ne nous oblige pas à être en contact avec des gens, mais pour être un bon juriste, pour être un bon éducateur, pour être un bon commerçant, je pense que ce sont de très bonnes bases. Donc, il n'y a pas vraiment de cloison entre les deux. Donc, c'est comme tout le monde, j'ouvre un compte Facebook et je mets ce que je pense, je partage mes pensées, je partage des passions. Et ça plaît. Ça plaît, c'est quelque chose de naturel. Aujourd'hui, je suis surpris de voir que près de 24 500 personnes me suivent, alors que je ne me donne même pas l'étiquette d'influenceuse, comme on pourrait le penser, ou mieux comme on l'entend aujourd'hui. Mais c'est toujours bon d'entendre des gens venir dire, ah ben écoute, je me suis levé de mauvais pieds, je suis allé sur ton mur, j'ai lu un truc qui m'a boosté. Ou bien, je n'étais pas de bonne humeur. Je suis allée sur ta page, j'ai éclaté de rire. Ça a l'air de rien, mais ça compte. Ça compte. Quand on sait le stress ambiant dans lequel on vit, je pense que ça compte de savoir qu'il y a des gens qui me disent, et ce n'est pas une personne qui me le dit, et donc je finis par y croire en fait, qui me dit chaque fois matin quand je me lève, j'ai le réflexe d'aller d'abord sur ta page. C'est la première chose que je fais. Et c'est flatteur. Parce qu'avant, dès qu'on se levait, on ouvrait le journal pour C'est le ça. lire. Ou bien on allumait la télé pour Tout écouter à les fait. infos. Et quand tu entends quelqu'un te dire, dès que je me lève le matin, la première des choses que je fais, c'est d'aller sur ta page parce que je sais que je vais avoir quelque chose à grignoter là-bas. Soit je vais rire, soit je vais prier, soit je vais apprendre un nouveau mot, soit je vais. Voilà, il y aura quelque chose à me mettre sous la dent. C'est toujours bon à prendre. Donc, Comme je ça s'est disais fait dans mon naturellement. Ce n'est pas quelque chose introduction, de, que j'ai avant, travaillé en fait. pour parler à des gens ou bien pour avoir, il fallait réunir des gens dans une salle.
Il fallait être là à leur parler. Aujourd'hui, je suis en Amérique, tu es en Afrique et on On met est chaud. ensemble des personnes. Avant, il fallait être, comme je dis là. Donc aujourd'hui, toi, tu es en Afrique et tu peux t'adresser au monde entier. Donc, les choses ont évolué. Et comme tu disais là, avant, il fallait ouvrir le journal pour aller avoir les informations. Les infos. Ou bien il fallait s'asseoir devant sa télévision pour attendre un scoop ou quelque chose. Mais aujourd'hui, tu as juste en un clic, tu vas sur une page, Voilà. un profil, et puis tu as l'information, et puis ton état est changé, ton état est galvanisé par ce que Exactement, tu vas chercher. exactement, Tout à fait. Donc, exactement. alors, comment L'information est est-ce que tu... disponible. Disponible, tout à fait. Comment est-ce que tu t'intéresses au développement personnel? Depuis combien de temps? Le développement personnel, peut-être c'est le nom qu'on lui donne aujourd'hui, mais je pense que même déjà dans l'éducation, déjà ce que les parents font à la maison, déjà ce que le quartier fait autour de l'enfant, en tout cas dans la façon dont nous on a grandi, je pense que c'est même à l'école, en tout cas tous les milieux qu'on a fréquentés, je pense que c'est peut-être pas le nom qu'on donne, mais c'est du développement personnel qu'on inculque. Bien sûr. C'est-à-dire déjà très tôt, on te dit comment te tenir, on t'apprend à avoir confiance en toi. On nous apprend même à nous les plus les filles, on nous apprend à nous asseoir, on nous apprend à nous tenir, à nous vêtir et à même se défendre dans la rue quand t'insultes, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois pas faire, quand tu vois ton frère ou ta sœur qui est attaqué, comment tu dois réagir. Donc, c'est peut-être pas le nom que nos parents ont utilisé ou que la communauté, en fait, on va dire, dans laquelle on a évolué, a utilisé, mais je pense que c'est quelque chose avec lequel on évolue. Et peut-être ça s'est vraiment dessiné avec un papa sociologue, donc qui est vraiment dans les sciences humaines, avec moi, avec cette envie-là d'aller faire de la psycho. Donc, naturellement, c'est des choses qu'on développe sans se rendre compte. Parce que la psychologie, c'est quand même, je vais dire, si on veut dire, c'est la base, en fait, du développement personnel. On arrive à voir, c'est des sciences humaines, c'est des sciences qui essaient de comprendre l'être humain et puis faire en sorte de sortir le meilleur. D'abord de se comprendre et puis de sortir le meilleur de soi. Donc, je ne peux même pas dire que j'ai commencé à tel âge ou à tel âge, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est des choses avec lesquelles on a grandi, en fait. Peut-être Excellent. qu'on ne donnait pas ce nom, mais C'est c'est des ça. choses qui ont toujours été là. Alors, donc, revenons à Saïda. Je vais te faire sourire. Saïda la motivatrice, Saïda l'influenceuse, comme tu le disais, 24 000 personnes te suivent. Tu n'avais pas, tu n'es pas, tu n'as pas commencé avec cette notoriété. Donc, comment est-ce que tu démarres? Qu'est-ce qui fait le déclic et puis tu commences et puis tu y vas et tu es là où tu es aujourd'hui? C'est difficile à dire parce que ce n'est pas quelque chose de travaillé. Et puis, Jamais. c'est quelque chose que j'ai constaté, en fait. Je me suis levée un matin, je vois 10 000 personnes. Et avant, dans la structure de Facebook, on ne voyait pas, on ne pouvait pas follow, on ne pouvait pas suivre, en fait. Oui. Donc, il n'y avait pas ça avant. Donc, Oui, tout à je fait. ne peux même pas savoir quand est-ce que ça a commencé. Avant, on ne se suivait pas. Soit on est amis, soit on ne l'est pas. C'est ça. C'est après que le follow machin est arrivé. Donc, du coup, ça a commencé. Moi, je suis sur les réseaux, ça fait, c'est ma 14e année, mais ça n'a pas commencé il y a 14 ans. Non. Donc, je ne peux même pas dire que les 24 000 personnes à partir de 15 ont commencé à me suivre. Mais je l'ai constaté un matin. J'ai constaté un matin, au bout de, c'est quand c'est arrivé à 12 000 abonnés que j'ai commencé à faire attention. J'ai dit, ah ben tiens, il y a 12 000 personnes qui me lisent. Ou Les bien quand, 12 000 par exemple, abonnés sont sur Facebook ou tu ben, as c'est fait des un gens même combiné sur souvent tous les réseaux? c'est des gens à qui même je ne suis même pas amie. J'ai même mon avocat, par exemple, on parlait d'un sujet sur lequel on truc, on finit et puis il me dit, ah, j'aime bien vos écrits, pourtant il n'est pas mis avec moi sur Facebook. C'est ça. J'étais surprise. Oh, il me suit. Donc, l'avantage des followers, c'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'être amis. Donc, tu peux même pas savoir dans les 24 000 personnes qui te suit, il peut avoir même des personnalités publiques, il peut avoir vraiment, il peut avoir du tout. Donc, c'est difficile même de les identifier. Tu vois juste la notification qui te dit telle personne te suit, c'est tout. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on regarde tout le temps. Donc, du coup, je ne peux même pas savoir qui sont ces 24 000 personnes. D'accord. Il y a du tout, il y a vraiment du tout dedans. Mais on est toujours surpris quand même on va dans la rue et puis on voit un illustre avocat international vous dire, je vous lis, j'aime bien vos écrits. Ça fait sourire, tu te dis, ah, j'ai intérêt à bien faire, j'ai intérêt à bien me tenir. Il y a des sujets que je n'aborde pas.
y a des choses aussi, bon, voilà, on essaie de faire attention à ce qu'on dit parce qu'on est lu. Donc, il faut faire Excellent. attention. Alors, de ton parcours, est-ce que tu as expérimenté la peur? Et si tu as eu peur, quels sont les leviers qui t'ont permis de surmonter cette peur-là? Mais la peur, on la connaît tous. Mais moi, je l'ai domptée. J'ai appris à la dompter. Donc, du coup, je me demande si la peur n'a pas peur de moi. D'accord. C'est beaucoup de choses. C'est des rencontres. C'est des rencontres qui font que. Et puis, il y a des leviers comme ça qui sautent. Et puis, il y a des déclics qui ont lieu. Comme pendant mes années universitaires, je n'étais pas très sûre de moi. On est dans un milieu assez où il y a beaucoup de cancans, ça raconte des rumeurs, c'est vrai, c'est faux, mais ça s'étale. Et dans une ville étrangère où il y a une petite communauté africaine, c'est sûr que pour se faire une mauvaise ou une bonne réputation, c'est très rapide. Et j'en souffrais un peu parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disaient qui n'étaient pas vraies. Et j'ai fait la rencontre d'un professeur gabonais que je salue, je ne sais pas où il peut être en ce moment, Monsieur Pambou, qui a vraiment créer le déclic en moi en me parlant, en me disant non, arrête de pleurer, arrête de t'occuper de ce que les gens disent. Parce qu'après, on a peur de ne pas trop en faire, on a peur de se montrer, on a peur de sortir. Quand on nous invite, on a peur. Mais si tu vis dans la peur, tu ne vas pas t'exprimer, tu ne vas pas faire ce que tu as à faire parce que tu as des choses à faire. Il ne faut pas que la peur te paralyse. Et donc, après cet échange avec ce monsieur qui m'a fait clairement comprendre que tu n'as pas à t'excuser de qui tu es, tu n'as pas à t'excuser de ce que les gens pensent de toi. Faut briser ces barrières parce que la peur du quand dira quand, c'est quelque chose qui peut paralyser. Et ça, c'était vraiment le premier verrou qui a sauté. Et puis après, avec le temps, on apprend, il y a l'éducation qu'on a reçue, où ton papa te fait clairement comprendre. Et je dis, mon père, c'est père à son âme, mais c'est vraiment l'homme, le féministe, le premier féministe que moi j'ai côtoyé. Parce que c'est cet homme-là qui dit à ses filles, n'ayez pas le complexe d'être des filles. Que rien ne vous arrête. Ne vous fixez pas de limites. Si tu ne veux pas faire quelque chose, soit tu es fatigué, soit tu n'as pas envie. Mais ne dis pas que tu ne peux pas. Tant que c'est intellectuel, si c'est physique, ça peut être. Bon, tu peux avoir des freins parce que physiquement, il y a des choses que tu peux, il y a des choses que tu ne peux pas. Mais intellectuellement, il a levé ce verrou-là. Et une fois que intellectuellement, le verrou a sauté, je pense que même le corps même suit finalement. Le mental suit, le mindset suit, tout, la motive. En tout cas, c'est une avalanche de beaucoup de choses qui suivent, mais la plus belle des choses qui sortent de tout ça, c'est la résilience. On apprend à être résilient. Et je pense que dans le monde dans lequel on vit, ne pas être résilient, ça peut être une faille, en fait. Ça peut être un vrai handicap. Ça peut être vraiment un vrai handicap. Parce que même quand je dis handicap, je ne parle même pas d'handicap physique. Parce que même quelqu'un qui a un handicap physique, qui est résilient, il est au-dessus de quelqu'un Wow. qui peut-être qui a tous ses membres et qui n'est pas résilient. À qui Parce le que dit? la résilience, Ouais, j'ai c'est regardé vraiment, vraiment voilà, la carapace les doit monter. Paralympiques, les Jeux Oui. olympiques des personnes qui ont Oh, des voilà, c'est handicaps. extraordinaire. C'est Waouh, extraordinaire. c'est phénoménal De ce qu'ils quoi peuvent ils sont capables, réaliser, je ne oui. même pas te dire, mais finalement, moi qui ai mes 4 membres, est-ce que je ne suis pas un gros paresseux? C'est ça. Donc, il faut être résilient, il faut apprendre à être résilient. Et la Alors. peur ne va même pas trouver sa place, en fait. Donc là, en fait, tu as répondu à la prochaine question qui avait trait à dans tes moments d'incertitude, c'est quoi les leviers que tu utilises pour rebondir? Et la résilience, effectivement, te permet de t'adapter, quelle que soit la situation, de Oui, te c'est très forger ce important. mental-là qui te permet d'accuser la situation, mais de trouver les ressources pour aller Exactement. au-delà et pour avancer. C'est ça. Et je pense que les Africains en général, et puis les Ivoiriens en particulier, puisque je suis Ivoirien, c'est ce que je connais, sont très résilients. Ils sont très résilients parce que c'est des gens qui arrivent à être heureux, qui arrivent à être. Il y a tout qui nous tombe sur la gueule, il y a tout qu'on reçoit. Mais on garde le sourire, on garde la force. Une des choses qui m'a choquée en Europe, on voyageait une fois, le train s'immobilise. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui venait de se jeter sur les rails. Et donc, il fallait s'arrêter pour qu'on puisse ramasser les morceaux de chair. C'était vraiment, Oui. c'était pas joli à voir et tout. Mais ce n'est pas des choses qu'on verrait ici, parce qu'ici, quelles que soient les difficultés, on trouve toujours cette force-là d'aller de l'avant. On a même cette fameuse, oh, ça va aller. On est sûr que ça va aller. On est sûr que demain sera mieux qu'aujourd'hui.
Et on vit avec cette force-là, on vit avec cette énergie. Parce que nos pays connaissent des atrocités, on connaît des guerres, on connaît beaucoup de choses, des maladies. On n'a pas tout ce que les gens ont en Europe, mais le soleil qu'on a dans notre cœur, je pense que ça ne se vend pas. Ce n'est pas quelque chose qui se vend, ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter. Et vraiment, c'est vraiment une source. Maintenant, chacun te dira, moi, c'est dans ma foi que je puise, moi, c'est dans tel truc que je puise, mais tout compte fait, on arrive toujours à retomber sur nos pattes. Tomber sur nos pas, tout à fait. Et comment ça aide à utiliser son environnement, ses relations pour avancer? Je pense que pour avancer dans la vie, il y a une chose sur laquelle il faut capitaliser, c'est la réputation. Il faut tenir, faut faire en sorte de ne pas laisser des taches dans la vie des gens, mais de belles traces. Parce que quand on a une bonne réputation, le réseau marche, mais naturellement. Moi, j'ai fait des rencontres sur Facebook aujourd'hui. Je ne sais pas si dans la vraie vie, j'aurais été peut-être spontanément vers ces personnes, même si ces personnes seraient venues spontanément vers moi. Il faut avoir une bonne réputation. Il faut que quand on dise Saïda, il ne faut pas que les mines se froncent ou bien qu'il y ait quelque chose à redire. Donc, l'environnement dans lequel on évolue, il peut être hostile, mais il faut faire en sorte que, en termes de réputation, on ne soit pas vraiment mis au banc des accusés. Je ne rentre pas dans les appréciations parce que ça, c'est vraiment subjectif. Quelqu'un peut vous apprécier comme ne pas vous apprécier. Mais quand je parle de réputation, et même je travaille avec le CHU sur l'e-réputation, c'est-à-dire qu'il y a la réputation dans la vraie vie, mais il y a la réputation, l'e-réputation, comment tu te comportes sur les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, même les HR, les ressources humaines, elles veulent recruter, elles vont sur Facebook. Oui, tout à Tu fait. viens, tu t'es bien présenté, mais elles iront voir ton mur. Elles iront voir ta page, elles iront voir ce que tu as l'habitude de poster. Ça peut te disqualifier comme ça peut te donner de bons points. Donc, la réputation n'est même plus que dans la vie. Non seulement on n'a pas fini de régler pour la vraie vie, mais il y a l'irréputation à laquelle aussi il faut tenir. Parce qu'aujourd'hui, tout se passe sur les réseaux. La preuve, on est là, tu es au Canada, je suis à Abidjan, on échange. Donc, si la réputation est bonne, tu peux dire, bon, Saïda, je pense que je peux l'inviter pour mes leaderships. Elle a des choses à dire. Ce qu'elle peut dire peut être intéressant. Je ne pense pas que si je n'avais pas une bonne réputation, je ne suis pas sûre qu'on serait là en train de parler. Donc, l'environnement dans lequel on évolue, on doit l'assainir au maximum. En tout cas, autant faire ce peu. Il faut vraiment faire en sorte que on ne laisse pas de mauvais souvenirs aux gens et qu'on ne soit pas source de conflits ou de scandales. En tout cas, éviter le maximum. Et je pense qu'en étant dans cet état d'esprit, il y a de fortes chances que les portes s'ouvrent. Parce qu'aujourd'hui, la recommandation, ça fonctionne. Je veux même acheter un produit de beauté. Je vais sur la page des consommateurs. Je vais acheter tel produit. Est-ce que vous l'avez acheté? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je vais tenir compte des recommandations que les gens vont me faire. C'est valable pour nous aussi. C'est valable pour nous. Donc, il faut vraiment faire en sorte de vivre en bonne intelligence avec les gens. Je retiens avoir une bonne réputation, ne pas laisser des taches, mais de bonnes traces. Et il faut faire attention à sa réputation dans la vie de tous les jours, mais à sa e-réputation, sa réputation en ligne, parce que tout est interrelié aujourd'hui, tout est connecté. Donc, si tu postules quelque part ou si tu cherches une recommandation quelque part, on va forcément aller sur tes réseaux. Donc, il faut faire attention à ce que tu postes parce qu'on va les regarder. Ça peut te discréditer comme ça peut te donner beaucoup de points. Alors, excellent. Saïda, dis-moi, quelle est la place de la formation dans ton parcours? La formation, je pense que c'est une très bonne base. Rien ne vaut la pratique, je peux le dire, rien ne vaut la pratique. Mais arriver à un certain niveau, quand on a une base, c'est très important. Il y a des milieux où on ne peut pas évoluer sans être formé au préalable. Je ne peux pas aller me dire médecin chirurgien sans avoir pris la médecine et sans avoir fait la spécialisation. Donc, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas tricher, en fait. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas tricher. Si je dis que je sais faire de la sauce graine, au moins on s'attend à avoir les graines de pâte dans ma recette. Je ne vais pas prendre de l'aubergine pour dire que je fais de la sauce graine. Il y aurait un problème. Donc, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas tricher, notamment la formation. Et aujourd'hui, la formation est disponible. On peut se former. J'ai fait
une certification en ligne avec Google. Mais j'étais couchée chez moi et je la faisais. Donc aujourd'hui, à moins qu'on soit paresseux intellectuellement, je pense que la formation est disponible. Il y en a pour tout. Même si vous voulez tout de suite vous former, comment poser un radiateur, vous allez sur YouTube, vous allez trouver. On a vu un gamin qui est aujourd'hui virtuose en piano, j'ai oublié son nom, à Marseille, un petit, il est malien d'origine, je crois, qui est virtuose en, et il a appris sur YouTube. J'ai appris sur YouTube. Sur YouTube. Il y a un comme ça qui fait de la danse classique au Nigeria, qui a été repéré, mais qui a été même coopté pour l'Opéra de Paris. Il a appris sur YouTube. Donc, ce n'est même pas une question de moyens souvent. Oui. Souvent, c'est une question de volonté, parce que la formation est disponible. Même si tout de suite, je dis, je veux apprendre, je peux aller chez le menuisier du coin. Chaque matin, il peut me dire de 8 h à 9 h, tu viens. Pendant 1 heure, je vais t'apprendre comment faire la menuiserie. Oui, tout à fait. Il y a mille une façons de se former. Et il y a mille, l'information, la formation est aujourd'hui disponible, souvent même à moins de coût, souvent même à 0 franc. Mais il faut y aller, il faut aimer. Il ne faut pas juste se contenter de dire je sais comment on fait. Parce que chaque jour, il y a de nouvelles compétences qui émergent. Chaque jour, il y a de nouvelles choses. La manière dont on pratiquait la médecine, il y a combien d'années, on ne la fait plus de la même façon. Et aujourd'hui, même quand nous, on fait nos formations à l'ENA, c'est ce qu'on fait comprendre aux gens. L'image du médecin tout-puissant, où tu viens, tu t'assois. Il te regarde, il te tourne dans tous les sens et puis il te prescrit. Non. Maintenant, le malade, avant de venir, il va sur Google. Il tape le nom de sa maladie, avéré ou pas, que ce soit vrai qu'il est ou pas. Avant même d'avoir le diagnostic, il regarde le traitement. Donc, en allant chez le médecin, il est un peu informé. Il est curieux. Il va poser des questions. Donc, la relation paternaliste que le médecin avait avant avec le patient, s'il veut la garder, il sera largué. Parce que celui qui vient chez lui aujourd'hui, il est informé sur sa maladie. Souvent même mieux que le truc, on l'appelle souvent, dans le milieu médical, il parle du médecin patient, du patient médecin. Parce que souvent même les mieux informés, si c'est une maladie chronique, il y a des choses qu'il sait plus que le médecin. Il peut lui dire non, telle molécule là, je ne peux plus parce que quand vous donnez, voilà les effets secondaires que ça fait, prescrivez-moi plutôt ça. Quand il arrive même à orienter le médecin, donc le médecin qui est fermé, qui est carré, qui ne veut pas se former, qui ne veut pas apprendre, mais il va faire des bévues. Et c'est valable pour tous les domaines. Même si tu es coiffeuse, à l'heure où on parle, là, il y a une nouvelle coiffure qui vient de sortir, qui va vraiment intéresser tes clients. Donc, si tu ne veux pas aller te former, si tu ne veux pas apprendre, quand ils vont te demander, tu sais faire cette coiffure, si tu dis non, mais elles iront où on fait? Et c'est un manque, tu perds quelque chose là. Donc, aujourd'hui, quel que soit ton domaine d'activité, il faut te former. Si tu dis tu es plombier, il y a des formations en plomberie, quel que soit le métier. Donc, je pense que même si tu vends de la loco, tu peux prendre une formation en hygiène. Comment rendre ton endroit plus hygiénique? Comment faire attention dans un contexte de sanitaire assez spécial? Tu peux prendre des. Tu, voilà. Donc, vraiment, moi, je suis pour. Je suis friande. Et ce n'est pas une question de diplôme. C'est C'est une ça. question de C'est une motivation, de question de volonté. volonté, c'est une Voilà. question de désir Oui. d'évoluer, de progresser, d'avoir Absolument. la connaissance et d'avoir Absolument. en plus de la connaissance, la compétence. Ça veut dire le savoir et le savoir-faire. Savoir-faire. Parce Oui. qu'aujourd'hui, là, le savoir, c'est pas ça le plus. Il faut avoir Savoir le suffisant. savoir, c'est sûr, mais le Savoir savoir-faire est le plus important. Les, on va suffisant. dire les soft skills. Donc, Oui. quelqu'un qui connaît quelque chose, mais qui ne sait pas comment le matérialiser, comment démontrer qu'il sait le faire, ça va être difficile. Un problème. Apprendre à on a un invité spécial. Désolé, il y a des chiens qui aboient à côté, Oh, il n'y j'espère a que ça pas de dérange souci. pas. Donc, il faut avoir la connaissance, mais il faut aussi avoir les compétences. Donc, se former pour connaître, se former pour savoir. Oula. Alors, on arrive presque à la fin de nos échanges. Donc, tu peux dire à notre ami là que Bon, attends. avoir des cours pour toi. Bon, je vais me déplacer peut-être. Je vais peut-être me déplacer parce que là. T'inquiète, personne ne naît avec le courage ou le mental d'acier. Comment est-ce que tu t'es bâti cette force de caractère? Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui, certes, peut exceller, quelqu'un qui, si arrive à travailler son mindset, va se déployer, va se découvrir, va devenir quelqu'un de vraiment rayonnant? Comment est-ce que qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne-là?
Je pense que la base, il y a l'éducation de base aussi. L'éducation de base. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on a reçues étant enfant. Ça, c'est peut-être la psychologue qui parle, mais qui souvent, si tu, quand on est dans un environnement où les parents motivent, où les parents apprend, nous apprennent à avoir confiance en nous, à nous faire comprendre, comme mon père, par exemple, le faisait, qui me disait, vas-y, vas-y, vas-y. Il nous lançait même, il lançait des défis. Il te dit, bon, je te donne un petit carnet de vocabulaire. Chaque jour, tu m'apprends 10 nouveaux mots. Quand je rentre le soir, tu m'expliques et tu les mets dans une phrase. Et comme ça, petit à petit, le goût de la lecture, c'est des choses, par exemple, qu'on a étant enfant. Mais si on n'a pas grandi dans cet environnement, parce qu'il y a des environnements difficiles, il y a des environnements où, aujourd'hui, qui ont créé des adultes cassés. Bon, je crois que je vais me dépasser. Mais je disais que l'environnement dans lequel on a grandi impacte. Maintenant, aujourd'hui, on peut avoir un adulte cassé qui n'a peut-être pas grandi dans un environnement où on le stimulait, qui n'a pas eu peut-être tout ce qu'il faut comme bagage pour pouvoir, on va dire, s'en sortir. Mais à cet adulte-là, c'est vraiment un travail, peut-être, bon, on ne va pas généraliser parce que chaque cas est assez différent. Mais ce qu'il faut faire, c'est vraiment apprendre à avoir confiance en soi. Ça s'apprend. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est-à-dire que se découvrir, connaître déjà quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, en quoi est-ce que je suis bon. Parce qu'on est toujours bon dans quelque chose, qu'on se le dise. Donc, ce sur quoi on est bon, on capitalise dessus. Et puis, ce sur quoi on reconnaît qu'on a des failles, on essaie de travailler là-dessus. Et c'est des efforts au quotidien. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en une semaine. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en un mois. On a peut-être même toute la vie même pour ça. Mais pourvu qu'on y aille. Parce que moi, je pars sous le principe qu'on doit toujours sortir une meilleure version de nous-mêmes. C'est très important. Du moment où on est d'accord que la perfection n'existe pas, on est perfectible. Mais la perfection n'existe pas, mais on est perfectible. Donc, la version de Saïda aujourd'hui, là, elle doit être mieux que celle d'hier, en fait. C'est ça. Et puis, je veux que celle de demain soit mieux que celle d'aujourd'hui. Tout à fait. Donc, c'est des petits pas qu'on fait. On peut s'appuyer sur la foi si on est quelqu'un qui est croyant. On peut s'appuyer sur, si on n'a pas la foi, si on n'a pas forcément une religion ou quelque chose. On peut s'appuyer sur nos ressources qui nous sont propres. Il y a des gens qui sont athées, mais qui ont confiance en eux. Donc, ce n'est pas forcément la religion qui vient, c'est un plus. Parce que je dis souvent aussi à mes frères chrétiens, ils remplacent souvent la paresse avec les prières. Non. Quand il y a un truc à faire sur soi, il faut le faire. C'est ça. Tu ne peux pas, par exemple, dormir à l'église du 1er au 31, du lundi au dimanche, de 7h à je ne sais quelle heure, alors que tu es en quête d'emploi. C'est ça. Après, tu diras non, comment faire pour être motivé? Non. Il faut bien compartimenter les choses. Il faut comprendre que, y a un temps pour chaque chose. Il faut comprendre que je veux quitter là. Et le truc, mais à intégrer, mais définitivement, tu n'es en concurrence avec personne. Parce que même quand tu dis que tu es en retard, il y a des gens derrière toi. C'est ça. Celui au corps qui va dire qu'il est en retard, il y a quelqu'un derrière lui. Donc, personne n'est en retard, en fait. C'est des standards qu'on se fixe et c'est des pressions qu'on se met. C'est ça. Si tu as autant de quatre pattes, tu ne peux pas dire je vais courir pendant que tu es en train de faire les quatre pattes. Fais tes quatre pattes. Tout à fait. Celui qui court là, au moment où même toi tu te mettras à courir, peut-être que lui il est parti, il a chuté. Donc tu n'en sais rien. Rien n'est linéaire, rien n'est. Ça monte, ça descend. Donc il faut intégrer ça. On est en concurrence avec. Et Merci. je pense que souvent la source du stress, La compétition. si on prend 10 raisons de 10 stress, il y a 8, c'est des choses qu'on se fait dans la tête. Ça n'a pas de fondement. On se met des pressions inutiles. Ah, mes amis sont à tel niveau, donc moi je dois être à tel niveau. Non. Comme me disait M. Diagou, c'est la deuxième fortune ivoirienne et 14e fortune classement Forbes dans les pays francophones en Afrique. Il a commencé à 50 ans à entreprendre. Il y a des gens qui ont commencé avant lui, mais qui ne sont pas là où il est en fait. Donc, on est en concurrence avec personne. On est en concurrence avec soi-même pour sortir toujours une meilleure version de soi. Il faut l'intégrer définitivement parce que je pense que c'est le regard des gens souvent qui font faire des choix qui ne sont pas judicieux et souvent même qui nous écartent de l'essentiel. Il y a des choses que tu sais faire. Il y a des choses que tu ne sais pas faire. Même celui que tu regardes, il y a des choses que toi, tu sais faire, que lui ne sait pas faire.
Il faut en avoir conscience déjà. Décidément, notre ami me suit. J'ai quitté le changeur de pièce, il m'a suivi. Ce n'est pas grave, pas de vie. On est presque à la fin. Donc, de toute façon, on t'entend. Vraiment, moi, je pense que c'est un travail à faire sur soi. Et on ne peut pas généraliser parce que chaque individu est particulier. Merci. Chaque individu a des blessures. L'adulte qu'on est aujourd'hui, c'est forcément la somme, c'est l'addition de l'enfant qu'on a été hier. Donc, l'environnement dans lequel on a évolué peut nous influencer négativement comme positivement. Donc, selon les cas, bon, c'est sûr qu'il y a des conseils qui peuvent aller. Bon, comme je suis disponible aussi, hein, pour ceux peut-être qui voudront aller plus loin, qui voudront échanger. Mais on ne peut pas généraliser. On ne peut pas généraliser parce que chaque cas est différent. Vraiment, chaque cas est différent. Mais il faut vraiment intégrer qu'on est en concurrence avec personne. Et on se doit nous-mêmes de sortir, mais nous-mêmes, pour notre propre ego, avant même de le faire pour quelqu'un d'autre, de sortir toujours une meilleure version de nous-mêmes. On peut s'appuyer sur la foi, comme si c'est sur ses propres compétences, mais il faut y aller. Tout à fait. On n'a pas d'excuse. On est dans un monde qui est violent. Wow. Celui qui pleure, on l'abandonne, on continue. Donc, est-ce soit tu restes là à pleurer, soit un moment tu essuies les larmes, tu trouves le rythme pour te lever, mais tu te lèves quand même, en fait. Voilà malheureusement ou heureusement comment il faut fonctionner. Mais heureusement, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. On n'a pas le choix. On y est déjà. On doit avancer. Et le but de la vie, c'est la croissance. La graine qui germe va grandir et devenir un arbre. L'œuf dans le ventre va se développer pour devenir un bébé, pour devenir un enfant, un adolescent, un adulte, un vieux. Donc, il va devenir papillon. Papillon. Donc, la vie, c'est la croissance. On est appelé à évoluer, on est appelé à progresser. Et quelle que soit la situation, il nous faut trouver les ressources pour avancer. Toujours. Il nous faut trouver les moyens pour devenir la meilleure version de nous. Et c'est la mission que Connecté au succès s'est donnée, d'amener les hommes noirs, les femmes, quand je dis l'homme, je parle de l'humain. Donc, amener les personnes noires, francophones, en Ontario, au Canada et en Afrique, à développer leur estime d'eux-mêmes et à déployer leur plein potentiel. Parce qu'on a ce défi là dans notre communauté. On a du potentiel, comme tu le disais, immense. Chacun a un potentiel fou, mais à cause du regard des autres, à cause du jugement, à cause de la société, on l'éteint. Non, il faut qu'on travaille sur nous. Qu'on connaisse, comme tu l'as dit, notre valeur, qu'on sache de quoi on est capable, quelles sont nos limites, quels sont nos défis, mais qu'on capitalise sur ce qu'on sait faire de mieux et qu'on y aille pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. En tout cas, Saïda, je te remercie infiniment pour cet échange inspirant, cet échange qui, sans nul doute, aura donné des déclics, aura touché plus d'une personne. J'ai vu dans les commentaires des merci Saïda, c'est très enrichissant. Et je dis merci à vous aussi. Merci Saïda. Et je crois que c'est juste le début là. Je sens que le niveau va monter dans quelques minutes. Et je dis dans la description, il y a un formulaire. Si vous voulez aller plus loin avec Saïda, avec Franck, avec le quelconque des panélistes, il y a un formulaire que vous pouvez compléter et dire votre intention et on se fera fort de vous mettre en contact pour une consultation privée qui pourra déboucher sur un accompagnement plus long, mais c'est ouvert, c'est une consultation privée que vous pourrez avoir moyennant un certain coût, OK? Donc, merci Saïda. Les autres, vous ne déconnectez pas. Moi, je vais juste dans une autre salle. Je vais me préparer pour recevoir Franck Kwame et puis on va continuer d'évoluer dans notre leadership. Saïda, est-ce que tu voulais dire un dernier mot? Je tiens à dire merci. Hein. Je tiens à dire merci parce que, comme on dit, il y a du monde. je suppose que tu avais le choix et ton choix se portait sur moi. C'est vraiment un honneur pour moi de changer, de parler. Comme tu sais, moi, je suis très à l'aise à l'écrit, mais je ne suis pas très, très vidéo. Donc, c'est aussi un exercice pour moi. Et donc, vraiment, c'est toujours bon. C'est toujours bon d'apprendre. C'est toujours bon d'échanger. Et vraiment, merci pour la lucarne que tu m'as donnée de pouvoir échanger avec les gens.
Et je suppose que la vidéo va rester dans le groupe donc dans 6 mois, dans 12 mois, dans 15 mois. Quelqu'un tombera dessus. Et ma prière, c'est vraiment que ça crée un déclic chez cette personne-là. Et que la personne sente que, ben, écoute, je ne suis peut-être pas là où je suis, je veux, mais je ne suis pas là où j'étais hier. Et C'est ça, c'est ça. ça le plus important. Et c'est l'effort qu'on est amené tous à faire au quotidien. Donc, vraiment, merci beaucoup et Je t'en prie. bonne chance au Leadership Day. Vivement Excellent. l'édition prochaine. Excellent. Merci, 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 Saïda. Alors, ne déconnectez pas. On va, moi, j'arrête ce direct-là et je reviens dans juste quelques minutes, OK? Merci.